pour commencer notre célébration eucharistique en chantant avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Joie d'être dans la maison du Seigneur, tout joyeux pour l'écouter, tout joyeux pour parler de lui après avoir l'écouté, tout joyeux de lui dire merci. Tout joyeux de recevoir son pardon. Au seuil de cette Eucharistie, chers et frères, reconnaissons que nous avons péché. Demandons pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Pitié de nous. Seigneur élevé à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons le Gloria.
Ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 35, versets 4 à 7a. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert des torrents, dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Nous allons méditer le psaume 145. Après chaque strophe, nous chanterons « Je veux louer le Seigneur tant que je vivrai ». Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, les cinq premiers versets. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites « Prends ce siège et installe-toi bien. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout ou bien assieds-toi par terre à mes pieds. » Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des valeurs fausses? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi. Il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Parole du Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors, Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne. Mais plus il le leur défendait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait, « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Mes frères, mes sœurs, nous sommes au 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B, dimanche qui coïncide avec la fête de Notre-Dame de la Caridad. Ainsi, pourrons-nous appeler ce dimanche, dimanche de charité, dimanche de guérison, dimanche de Dieu qui fait grâce, Dieu qui fait toujours grâce, dimanche de miséricorde, bref, dimanche d'action de grâce, puisque la messe veut dire rendre grâce à Dieu, dire merci. Dimanche, ça fait avec ce mieux. Dans la parole là, nous tendez une histoire. Et histoire, c'est qui ça? C'est la guérison d'un sourd muet. Dans la première lecture, c'est même parole là. Côté prophète l'a dit, l'a fait moun ki bébé yo parler, l'a fait moun ki pa ka marcher yo, boite yo, courir, voltiger. Et dans l'évangile là, c'est histoire monsieur ça dans la Décapole. Ça veut dire dans lignée côté ville là, li construit autour de 10 pays. Eh ben sur ce vaste champ, sur ce boulevard, cet homme va faire une rencontre. Il va rencontrer Jésus et dès lors, sa vie sera tout autre. Il va changer et Jésus va guérir. Jésus va refaire. C'est qui ça, monsieur Sategain? Il était frappé par deux grandes infirmités. Il était privé de deux grandes facultés. La faculté auditive et la faculté langagière, le parler et l'écouter, il n'est pas capable. Et ça fait comprendre avec ce mieux que parfois et souvent, nous avons des richesses extraordinaires, la caille nous. Nous avons des biens,
des biens que bon Dieu fait. Nous que nous pas jamais prend temps, nous pas jamais prend petit temps pour nous dire bon Dieu merci pour ça. Bon Dieu fait nous ouais. Bon Dieu fait nous parler. Bon Dieu fait nous tendre. Bon Dieu ben nous la santé, santé tête, santé corps, santé âme, santé l'esprit. Parfois nous pas ouais ça yo et nous oublier dit bon Dieu merci. C'est peut-être ça. On nous dit bon Dieu merci pour tout ça qu'il fait pour nous. Merci Seigneur Jésus, merci. Ou ka wè grandeur et importance parler, c'est le lan ou ta coupé. Grandeur et importance tendez, c'est les deux oreilles ou ta bouché. Grandeur et importance ouais, les deux yeux ta pété, mais grâce à Dieu, yo là. Nous avons raison pour dire mon Dieu merci. C'est vrai qu'on bonne l'autre bagaille, les accessoires, peut-être bagaille pour t'avoir fleurs. C'est yo n'a cherché et pourtant ce qu'on appelle l'essentiel ou encore ça qui est important, li la. Nous gagnons accessoires, c'est bagaille facultatif. Yo là, ok. Yo pas là, ok. Mais important, yo, bon Dieu, bon nous, yo. Histoire, monsieur, ça fait nous comprendre comment chaque jour nous devons dire bon Dieu merci pour ça, bon nous, pour qualité, richesse, li, bon nous, que nous pas tenu compte ou encore l'autre bagaille, l'autre souci, la vie, les fait nous oublier, yo. Li pas capable d'entendre, écouter. Dans Deutéronome 6, 4, 9, c'est entrailles tout juif. C'est ça qui est important pour tout juif. Ça n'est le schéma d'Israël. Et il commençait par comme ça. Écoute Israël. Écoutez. Ça veut dire tendez Israël. Tendez, c'est entrer en dialogue, c'est entrer en relation avec le monde extérieur. Avec l'autre yo. Monsieur ça, il pas capable tendre. Il pas capable tendre et par conséquent, il obligé tendre cœur seulement. Ça veut dire il pas en relation, il pas en contact avec le monde extérieur, avec personne. Car il ne pouvait pas écouter, il était sourd. Il était sourd. Deux oreilles, c'est comme on s'accimente au vide la donne. On moitié li pa tande. Ça li dit li pa ka interagir. Li pa ka interagir à partir de ça l'tande. Deuxième gros mal li gen, c'est que langue ni maré, li pa ka parler. Li soud, li pa ka parler. Le parler. Ça veut dire li pa capable tande et pour exprimer ça l'tande ya. Li pa ka parler pour dire tout ça le senti. Salve-le. Et s'il vous plaît, nous dans le 21e siècle, nous entendons ça, le LSF, pour coexister, c'est-à-dire communication visio-gestuelle, pour coexister, ça va exister vers les années 1760 avec la B et P, qui t'apprend produit encore, fini avec science, ça, avec capacité, ça, ça nous relève le langage des signes. Pour nous parler à travers des signes. C'est mon génie, vous prenez notre vie. Ok? Donc, fait avec ce mio, tant ça, monsieur ça, pour qu'on a parlé par signe. Quand on a la télévision, où il a proclamé l'évangile là, pour le monde qui campait, qui a dit tout le bagaille, qui a fait comme ça, ça a pour qu'on existe. Donc, il était, comme nous dit le texte, refermé sur lui-même. Il était refermé sur lui-même. Il ne s'ouvrait pas aux autres. Par conséquent, il était un monde qui était introverti. Ça veut dire, il était pour contre lui. Il était isolé. Il vivait comme une île. Alors que, Robinson Crusoe dit, personne, nul n'est une île. Et dans le cas ça, monsieur ça, il n'est pas capable de faire une. Il n'est pas capable de tendre, il n'est pas capable de parler. Et nous connaissons, c'est Nicolas Boileau qui dit, ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire s'annonce aisément. Il ne pouvait pas se dire, il ne pouvait pas s'exprimer. Nous avons parlé, pas vrai. Nous avons dit l'autre là bonjour, nous avons dit je t'aime, nous avons dit tu es cher à moi, nous avons dit etc., etc. Nous avons parlé, nous avons exprimé nous. Et il y a des gens qui disent, moi-même, pas des gens qui ont empêché de me parler, bouche pour me parler, et puis, dame pour la police. N'a demandé qui la police journée jodi a. Ça veut dire parler hein, faut avec son mio ou sans sou libérer leur parler. Ou senti que
tu t'es vidé et ou fait espace pour l'autre parole, pour l'autre ambiance d'en parler. Sous une parole, sous cœur, ou pas qu'à dire, eh bien, vous sentez que vous réduit, vous sentez que vous t'a mouru, vous sentez que vous pas libre, vous sentez que l'esprit vous bouché, vous sentez vous pas vous-même ou pas vivre. La faculté de parler, la faculté de s'exprimer, la faculté d'écouter, la faculté d'entendre, pour écouter, pour tendre, pour tendre les vous parler avec vous, pour capable dire tout qui sont senti. Maintenant, la question est la suivante. Qui ça nous tendait et qui ça nous parlait? Texte a dit Jésus mettait même dans oreilles sa livre dans bouche li et lui dit Ephphata, ouvre-toi. Ça veut dire ouvrir envers l'autre. Ça veut dire aller vers les autres. C'est-à-dire quitter une porte ouvrie pour entrer en dialogue avec le monde extérieur, avec semblable, avec le monde qui entoure, ça veut dire entrer en communication. Pas communication, si, mais exprimer librement. Ephphata. Combien de fois nous-mêmes nous étions fermés sur nous-mêmes. Nous ouvrir, nous décider d'ouvrir main nous, by l'autre. Nous décider d'ouvrir cœur nous. Nous pas décider d'ouvrir cœur nous, by l'autre. Nous pas décider d'ouvrir la vie nous, by l'autre. Faire ressentir tout que y a vivre. Vous sentez important, faire sentir présence. Est-ce que combien de fois, frère, sœur, moi-même, vous-même, nous fermons porte cœur nous fermons porte oreille nous fermons porte bouche nous pour nous tendez mon Dieu, tendez un frère, tendez une sœur et même ouvrir nous vers lui-même, ouvrir main nous, ouvrir cœur nous, ouvrir la vie nous, ouvrir poche nous, ouvrir valise nous, ouvrir portefeuille nous, ouvrir sac nous, ouvrir ça nous la caille nous. Et même pourquoi pas ouvrir pendri nous pour nous prendre, pour nous bailler. Ouvre-toi, ça veut dire, parité fermée sur vous-même. Soit un homme, une femme extraverti, soit un chrétien, une chrétienne extraverti qui allait, comme nous dit à la fin de la messe, ite missa est, aller vers la mission, aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre de nos frères et sœurs en difficulté. Ephphata, ouvre-toi. Ouvre ton cœur, ouvre tes mains, ouvre ta vie, ouvre ta maison, ouvre tout ce que tu as pour accueillir l'autre, pour accueillir les autres. Qui est-ce nous tendez? Qui ça nous tendez? De qui est-ce nous parler et qui ça nous parler? Nous attendons parole, mais nous pas parler toute parole. Proverbe l'a dit, bouche manger, tout manger, mais li pas parler. Toute parole. Gen moun ki parle, bla 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 bla. Souvent il faut écouter. Proverbe sagesse la dit tout, deux oreilles, yon seule bouche. Ça veut dire tendez plus, parlez moins. Gen moun ki fait l'inverse, yo parle en pile et yo pas tendez. Ou encore yo tendez des choses point d'interrogation sur yo qui pas aucune assertion. Aucune vérité, aucun fondement, mais yo parler. La Bible en dit, tendez, frère avec ce mio, pour nous parler. Tendez bon causé, parlez bon causé. Monsieur ça, après le fin de rencontrer Jésus, il n'est pas capable qu'un bé pour le pas dire ça Jésus fait pour lui. Car ce que le Christ a fait pour lui, c'était une bonne, une belle chose. Et bel bagayo, bon bagayo, yo mérité parler. Frère mio, sœur mio, est-ce que nous ouvrons nous pour l'autre assez? Est-ce que nous tendez bon Dieu qui a parlé avec nous assez? Est-ce que nous parlons de bon Dieu assez? Est-ce que nous prenons tout pour nous écouter bon Dieu qui a parlé avec nous? Pour nous écouter bon Dieu qui a dit nous, viens joindre moi, nous tous qui a fatigué, nous qui a prédit, qui a crasé en bachaille, m'a fait nous reposer. Écoutez, parlez, mais ça qui fait nous. Mais ça que fait nous, c'est missionnaire. Nous tendons bon Dieu pour nous parler de bon Dieu. À l'instar des disciples, des apôtres, Jésus les a appelés pour que d'abord ils tendent Jésus, ils sont formés par Jésus, et ensuite pour Jésus voyez parler de lui-même, parler du royaume de Dieu. Dis que je dis en même, eh bien bonne nouvelle là, bon message d'arrivée. Un message de délivrance, un message de salut, de libération.
moun ki avèk yo pral wè, moun ki soud yo ap tande, moun pye yo kase, moun ki boite yo, y ap mache droit. Voilà. Sœurs et frères bien-aimés, dimanche de charité, fête de la caridad, dimanche jour d'action de grâce parce que n'ap di la messe, n'ap célébré la messe, dimanche de guérison. Nous n'en pleine trentaine au Saint-Archange, Saint-Raphaël, archange de la guérison. Quelles sont nos infirmités? Quelle est mon infirmité? Quelle est ton infirmité? Qui maladie ou? Qui s'organise, qui empêche ou? Elle fait louange pour bon Dieu. Et c'est ça, infirmité ou fait nous, frère Malek Somio. Yo kokobe nous dans un coin, yo fait nous retenir dans un coin, yo empêche nous, elle dit, elle parler de la grandeur, de la magnificence, de la beauté, de tout ça, bon Dieu, fait pour nous. Quelle est ton infirmité? Quelles sont nos infirmités? À chacun son infirmité. Est-ce que nous malades dans oreilles, nous malades dans bouche, dans jet, dans tête, dans corps, dans membre, dans cœur, en dans corps, dehors corps, en dans tête, pas dehors tête, qui côté au malade? Ce matin, écoutons, oui, écoutons, prenons le temps d'écouter le Christ qui nous dit. Personnellement, il dit à chacun de nous, à chacun de nous ici présents, à chacun de nous qui participe à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux, il nous parle précisément, personnellement, et il nous dit, ouvre-toi, mon fils, ouvre-toi, ma fille, et pourquoi est-ce que tu vas t'ouvrir? Pour que finalement, tu puisses aller témoigner de la bonté de Dieu, de son amour pour toi. Il fait grâce, il fait miséricorde à toi, car il vient te rencontrer pour qu'il t'ouvre au monde extérieur et pour l'ouvrir à vous-même, pour entrer en dialogue avec lui. C'est pour le guérir nous, c'est pour l'ouvrir nous, c'est pour le bénir nous et c'est pour chaque jour. Liban nous côté, liban nous temps, liban nous jour, liban nous l'heure pour nous dire Jean Ligrand à l'instar de ce sourd muet pour nous témoigner de sa grandeur. C'est pour chaque jour, bon Dieu, ben nous occasion pour nous dire Jean Libon. Amen. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. À tes fidèles Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Après chaque intention, avec les légionnaires, nous chanterons.
pour l'Église et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. Demandons au Seigneur de les maintenir fermes dans la foi pour qu'ils continuent à annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, écoute-nous. La prière au grand maître pour tout pays dans le monde là, et spécialement pour pays nous, Haïti, qui a traversé un moment difficile depuis bien longtemps. Aidez dirigeants nous prend bon genre décision pour pays nous hein, qui a marché bien. Grand maître, pour tes voix nous. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont un handicap quelconque. Donne-leur la guérison et le réconfort dont ils ont besoin. Seigneur, écoute-nous. N'a levé devant un moment ça, révérend Père Stanley Gabriel, qui entrait dans vie sacerdotale. T'en prie, bali force l'Esprit Saint pour toujours qu'un béfem et pour pas jamais faiblir dans la mission ça que vous confiez là. Grand maître, écoutez-vous nous. La prière pour la communauté paroisse noire et pour ceux qui vivent la messe sur les réseaux sociaux et spécialement RTA. On demande bon Dieu pour augmenter la foi nous. Comme ça, nous allons croire plus dans la parole et il va tourner en source réconfort pour nous. Grand maître, écoutez-vous nous. Encore le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ceux qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande que, dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy, les évêques auxiliaires Sander et Wismic et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur chacun, sur chacune de nous qui participe à cette messe, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles prières, sur nos parents, nos amis et nos proches, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous les amis de l'apparence, sur nos frères et sœurs qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie, spécialement nos frères et sœurs qui célèbrent leur anniversaire de naissance ou de mariage. Ou d'ordination sacerdotale, nous implorons ta miséricorde sur tous les malades, sur tous les infirmes. Nous implorons ta grâce sur nos frères et sœurs qui participent à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis. Thank you.
Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On a tout été campé pour nous faire prière aux saints archanges. Nous connaissons la trentaine. N'a pas la prière Archange Michel, Gabriel, Raphaël. N'a pas la prière bon Dieu, pour bon Dieu, et me permettre nous joindre délivrance, nous joindre guérison, et nous joindre bon message, bonne nouvelle à travers Archange Saïo. Saint Michel, défends-nous dans le combat. Saint Michel, Saint Michel Archange, ou même qui remplit avec sagesse bon Dieu, qui font dans tout combat, venez porter nos secours. Soutenez-nous dans la difficulté et dans l'épreuve. Consolez-nous les nappes souffrir, tant que les nappes crier. Ben nous force et courage pour en rien pas faire nos pères, ni désespérer, ni douter de présence bon Dieu dans la vie. Non. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre toute force mal. Saint Michel Archange, défends-nous. Protégez-nous contre tout ennemi visible et invisible. Nous remettons tout combat nous dans la mer. Saint Gabriel Archange, ou même qui se force avec messager bon Dieu, portez-nous secours, campez avec nous. Pour nous capables fort avec force bon Dieu, campez avec nous pour toute vieille force qui était loin nous. Fais-nous remplir avec force bon Dieu pour nous arriver à remporter la victoire. Sous toute force mal, camper avec nous, pour nous toujours dire bon Dieu oui, même Jean la Vierge Marie te dit bon Dieu oui, là où tu as annoncé la naissance sauveur de Jésus-Christ. À travers vous-même, nous voulons confier bon Dieu toute la vie. Non. Saint Raphaël Archange, ou même qui compte faire guérison, nous supplions pour guérir nous, ensemble avec tout le monde qui est malade dans le corps. Dans le cœur et dans l'esprit. Nous avons présenté à tout le monde qui est malade dans la famille et tout l'autre malade qui compte sur la prière nous et secours. Couvrez-nous en bas pour aucune maladie ne fasse nous peur. Mais pour nous toujours faire bon Dieu confiance, les mêmes qui ont pouvoir guérir toute maladie et toute infirmité. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Tous les saints, tous les anges du ciel, intercédez pour nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous méditons avant nous bailler pour nous voulons dire merci à nous toutes et à nous chaque. Merci parce que nous venons pour nous célébrer la messe. Merci pour la qualité remis nous gagnons dans bon Dieu et pour Jean Abkembe Femme dans le message. Nous disons merci au révérend Père Francœur. Francœur, c'est non ça, il est un cœur qui franc. Il est sorti dans le diocèse des Gonaïves. Et les deux passages ici là, les pas fait une trois en forme, les venaient pour faire l'hôpital. Et nous reconnaître depuis dans grand séminaire, nous très habitués, c'est on a qui un sens d'ouverture, qui était remet étudier. Alors souvent les gonaïves ils étaient sous bête dans le séminaire. Nous apprécions ça et nous content qu'on célébrer avec Zaménon, Frénon, Père Francœur, nous disons merci, 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 et demandez-nous de continuer pour t'il dans la prière. Merci à Servant d'Hôtel, monde qui fait lecture,
mais c'est monde qui préparé pour la messe là t'es capable de célébrer monde qui préparé espace là tout comité indistinctement nous dit au merci nous dit sacristain nous au merci nous dit ministre extraordinaire de la sainte communion merci parce que il est toujours présent manifester disponibilité pour rendre l'église service pour faire travail yo. Nous disons un gros merci à une belle chorale. Chorale la touche comme. J'en ai comme là, il est difficile pour toucher, mais chorale la touche le matin. Je ne sais pas combien de temps il y a eu pour faire répétition, mais ça nous a dit qu'il a bien chanté. Il a très bien chanté. Nous disons ma histoire avec chorale légionnaire. Chapeau. Je me sens que la cathédrale longtemps, les cathédrales étaient là, autant de sons qui bord là, avec voix au cap chanté, faut t'a dit, c'est ça qui fait me revivre, surtout dans le chant d'action de grâce là. Compliments, félicitations, pas faire un seul coup, nous étions là, mais faire un seul coup et puis faire toujours un seul coup pour nous n'avons pas assemblé avec l'autre. Nous battons un gros bravo pour nous dire merci parce que vous aidez nous bien vivre la messe. Là, on peut aller bien chanter. Comment nous sentons-nous? Nous sentons-nous bien prier. Nous sentons vraiment, eh bien, vous aidez nous rencontrer Dieu, nomme nous. Vous aidez nous lever, nomme nous pour aller jusqu'au ciel. Encore l'autre fois, à quoi les jeunes, un gros merci. Donc, bien à tout, allez loin. Mais annonce nous gagnons pour ce maintenant, dimanche 8 septembre, 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B, on nomme la fête de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. On a eu messe à 6h15, à 8h, on est à la fin de la messe de 10h. Il y aura messe à 4h. Cette messe sera animée par la cour. Alors, messe 4h, sa première messe, Père Stanley Gabriel. Nous dit bon Dieu merci dans la vie Père Stanley ni qui ordonné hier et gain nan yo qui fait mes matin nan paroisse bien yon nan yo qui fait mes matin nan paroisse Sacré-Cœur Père Stanley a fait mes après-midi à 4h ici là c'est nous pas ca venir nous mettre branché RTA pour nous capable participer la donne nous dit merci à famille maman la grâce pour réalisation deuxième gala. Un gros merci à chaque membre de la famille Maman la Grâce qui permet de gala ça réaliser et nous souhaiter l'année prochaine si Dieu veut il va plus bien réaliser. Nous parler de victoire en victoire, de bienfait en bienfait, de bonne réalisation à une très bonne réalisation. Merci à nous tous, merci à nous chaque. Le 19 septembre fête de Saint-Pierre Claver, esclave des esclaves. Messe en semaine à 6h, 7h midi. Participez tous les jours à la trentaine de prières au Saint-Archange, à l'église et sur RTA. Samedi 14 septembre, fête de la Croix Glorieuse. Messe à 6h, à 7h, à midi et à 4h p.m. Ouverture de la neuvaine à Saint-Padre Pio. Neuvaine Padre Pio a fête chaque jour, sorti 14 septembre pour arriver 22 septembre. Dans la chapelle Padre Pio avec sous radio télé Alta Grâce. Dans le programme, nous avons gagné depuis 2h30 dans l'après-midi, animation avec la prière. 4h après-midi, messe avec prière neuvaine Padre Pio. Les gens qui veulent recommander neuvaine Padre Pio sont capables de passer dans le bureau de l'église là, ou bien relayer dans le numéro de téléphone. Dimanche 15 septembre, 24e dimanche temps ordinaire, nous avons gagné messe dans l'heure où nous avons habitué à gagner. Pardon. Clergé paroissien, remerciez-nous pour support. Nous continuez à compter sur nous pour nous aider le pays d'être lié. C'est paroisse qui toujours gagne d'être. Nous diffraction nous yo, nous même qui t'aimer aider yon ti moun à aller l'école, nous capable contacter yon nan pays yo. L'autre annonce nous gagne. C'est question cuisine, centre de formation professionnelle Notre-Dame d'Aldagrasse, nous avons fait cuisine, nous avons fait make-up, nous avons fait vidéographie,
infographie, eh bien, gain tout ça, installation caméra, nous capable passer dans bureau pour nous demander plus d'informations sur ça. Donc ça est important en pile la vie professionnelle nous. N'a pas rappelé tout fidèle que Neven Saint-Michel Archange paroisse sans fil a fait dans paroisse Notre-Dame d'Altagrâce à midi. L'événement a commencé 20 septembre. Nous avons annoncé nos tours, tant que nous connaissons déjà, gagné un génie qui organise la paroisse pour jeunes, génie en relais, génération consciente. Ils sont conscients de la réalité et il faut yo doit faire pour ça changer, pour ça venir plus bon ou encore pour ça venir bon. C'est pastoral dans la paroisse qui organise Genesa, donc c'est pas Wasla qui organise, c'est tous les mercredis à 4h après-midi dans la salle Émile Jordani. C'est une très belle ambiance et nous apprécions les parents qui viennent garder petit yo cap répondre question. Gen réponse papa ou bien maman connaît petit là pas connaît. Les comme ça ouais y a tourné koyo dans l'assemblée et yo pas ka bail réponse là. Et nous senti ça chaud les équipes yo tous les deux presque gen même point. Donc c'est un beau jeu, c'est un grand jeu, le jeu d'esprit, le jeu d'intelligence. Parce que tout jeu, c'est l'esprit qui est développé, mais lorsque les recherches sont faites, on enrichit les connaissances, c'est encore mieux. Nous disons jeunes, compliments, nous disons félicitations et pour aller plus loin. Prochain match, c'est à mercredi à 4h, c'est à Scout qui a joué avec Kiro. Scout, Kiro qui a joué ensemble. Prime qui proposait. C'est laptop, tablette, kit scolaire, bourse d'études, etc. Tout ça qui est utile jeune pour l'école. Donc nous disons merci en pile parce que nous continuons à aider, nous continuons à supporter les gens qui réagissent déjà. Nous disons un gros merci. Si les gens qui veulent continuer à bah, supporter les jeunes, ils ont un prime ça, ou encore un prime qui est utile jeune. Nous disons merci déjà et nous disons prime ça, bienvenue. Dans la rubrique anniversaire, nous avons 10 ans, nous avons bonne fête. Si quelqu'un qui est présent dans l'Assemblée, pas peur, avancez puis prenez l'hôtel là pour nous continuer à saluer nous et puis la prière pour nous. Joyeux anniversaire, sacerdotal au révérend Père Larose, Joseph, joyeux anniversaire de mariage à Franz et Fernand Adolphe, bon anniversaire de naissance à Adland Bélizère, membre du groupe Légion de Marie, Antara Anaël Lérimont, Arnaud Charles Guillet, Carole Georges, Casarno Clitus, Charles Cunard, Claudel Ozias, Ella Caton, Élie Bernardin, Ernst Daphnis, Gina Damus Montfleury, Grégory Maillard-Paul, Jean-Guerli Blaise, Fédé Anderson. Joyeux anniversaire de naissance à Margaret Dieudonné, membre du groupe Les Enfants de la Vierge Altagrâce. Joyeux anniversaire de naissance à Jean-René Kwame, Jeanne Carole Marcelin, Jeffrey Tabuto, Josh L. Ross Mengo, Julien Wilton, Carly Romain, Kenny Chamarie Jean-Baptiste, Laura M. Bellamou, membre du groupe Maïren Comblé de Grâce, Lawrence et Tracy Weki, Linda Etienne, Louis-Jean Oriana Chayel, Luna Adonis, Lorna Saint-Ilus, Luxon Janvier, Marie-Rosny Nazaire, Martin Alex Sébastien Châtaigne, Megan Nativita Juste, membre du groupe Les Amis de Notre-Dame d'Altagrâce, Michael Sanon, Myrlande Saint-Just, Nathalie Henriques, Noël Carl Andissi, Raphaël Luc Paul, Rita Lamour, membre du groupe Les Servantes et Servants de la Vierge Altagrâce, Laguerre Gustave, Boudry Thomas, Ruth Chama Petit Homme, Suzanne Dagène, Tachmir, Marlene Saint-Cyr, Verlanda Simon, Weber, Brian Poteau, Yves Laudens Charles, Yves Rose Guerrier, Unette René, Jean-Pierre Hans Junior, Val Valenbrun, Jean-Marilyn, Carlens Fransco L. Basile, Joseph Molière Noël, Margaret Dieudonné. N'a pas chanté pour vous pour nous dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Bien, avis d'inscription, les sœurs, les compagnes de Jésus informent les jeunes filles et garçons âgés de 18 ans et plus, ayant fait la 9e au moins, que les inscriptions au centre de formation professionnelle Magali Marcelin et Myriam Merlette ont lieu à partir du 1er août 2024 au 30 septembre 2024 de 9h AM à 4h PM pour les filières suivantes. Restauration, cuisine, pâtisserie, bar, restaurant, décoration de gâteaux, haute couture en 2 ans, pâtisserie commerciale, week-end en 4 mois, cosmétologie en 1 an, décoration de base de gâteaux en 6 mois. Donc, nous allons aller à Kaimeyo, par derrière, on a passé derrière l'église là, et nous allons gagner plus d'informations sur ça. C'est centre professionnel Magali Marcelin et Myriam Merlette. Pour avec ce mieux, nous souhaitons nous passer un bon dimanche, bonne semaine, semaine d'ouverture, semaine de fata, semaine côté bon Dieu fait nos grâces, les guérir nous, les sauver nous. Bonne semaine, qu'est-ce que nous faisons dans bon Dieu, par la guerre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.